On a justement une autre personne qui était au stade, Salem Vanessa. On a accueilli Vanessa Lemoine qui est avec nous. Vanessa, si je ne me trompe pas, tu étais bien au stade? Salut, j'espère que ça va, que vous êtes Ça va. remis un petit peu de tout ça. Ouais, j'étais au stade, du coup. Tu partages un petit peu le champ de Bilal? Cette émotion un peu électrique? En fait, moi j'avoue que j'ai vécu ça de façon un peu irréelle, au point que, tu vois, par exemple, au bout de 90 minutes, moi je pensais qu'il y avait, je sais pas, qu'on était à la 60e. Tellement en fait, t'es dedans, c'était émotionnellement, c'était trop fort en fait. Et sur le but de l'Algérie, là, à la fin, moi j'ai pleuré de joie. Et en fait, il y a une scène qui m'a marquée parce que j'étais avec Smaïl Bobdella, on était dans la tribune officielle. Et il y a un truc auquel je crois, tu vois, c'est l'œil, vraiment pour le coup. Et Samuel Eto'o, il est resté, mais tellement, tellement, il était juste devant nous. Il n'a pas bougé à aucun moment, même quand ils se prennent le but, il ne bouge pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as l'ambassadeur du Qatar qui arrive avec le maillot Road to Qatar. Ils prennent les photos avec les officiels et avec Smaïl, on s'est regardé et on s'est dit, mais en fait, il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes. Et même pas, je sais pas quoi, 30 secondes plus tard, le but du Cameroun. Mais donc, tu passes en fait d'un état émotionnel en fait où tu es en train, moi, littéralement, j'étais en train de pleurer de joie et je me suis mis à pleurer de désespoir, quoi, et à base de gros sanglots. Et en fait, j'ai vu une supportrice à la fin. Je suis redescendue un peu. Smaïl est allé sur la pelouse. Pour parler avec notamment Majid Bouguerra. Et en fait, j'ai vu une supportrice qui a été évacuée en fait sur une civière, tu vois, complètement, je pense qu'état de choc en fait. Donc, en fait, le truc, c'est que votre live, il s'appelle un traumatisme à décrypter, il porte très bien son nom parce que moi, je pense que, vous savez, des fois, moi, je rencontre des gens qui me parlent, voilà, des années de 1982, de 86, et qui me racontent, qui me disent, ouais, ça, c'était un traumatisme, hein, et je me suis jamais vraiment rendu compte. Et là, pour le coup, me retrouver à Blida, dans le stade, et vivre ça, en fait, franchement, sincèrement, ça m'a mis, j'ai même encore maintenant, émotionnellement, c'était trop difficile, quoi. C'était vraiment trop difficile. Donc après, je comprends, hein, tu vois, toutes les réactions. Qu'il y a pu y avoir derrière et que tout le monde soit à fleur de peau. Mais pour le coup, la veille, juste pour. Parce que vraiment, je l'ai vécu de l'intérieur, le truc, et je pensais pas avoir accès. Les accès que j'ai eus, ils ont été incroyables. On a mangé avec le président de la FAF, en fait. Et je me suis rendu compte, en fait, en parlant avec lui, que c'était quelqu'un de gentil et peut-être de trop gentil. Parce qu'il a un parcours assez hors norme, ce monsieur. Et je me suis dit, mais en fait, le foot, comme le sport, moi, je suis aussi dans l'omnisport et je me souviendrai toujours, en fait, des Jeux Olympiques et le manque de lobbying en 2012. Et que maintenant, on a Paris 2024, le lobbying, c'est super important. Alors, il est très, trop honnête, en fait. Il est trop honnête, trop gentil. Et voilà là où Eto'o. Il a une force, c'est que du lobbying, il sait en faire, quoi. Et moi, je crois pas à la thèse de l'arbitre, voilà, acheté et compagnie. Par contre, je crois effectivement au poids de l'impact psychologique, en fait, sur une personne, parce que ça reste un humain. Après, il n'était pas tout seul. Mais je crois ça, d'autant plus que juste avant, la FIFA, elle a envoyé à chacun des instances arbitrales, en fait, un mot en disant que voilà, les arbitres seraient surveillés et qu'ils allaient être très attentifs à l'arbitrage. Et je pense qu'en fait, ce truc-là a pesé peut-être sur cette rencontre. Parce que en voyant le match, en fait, je ne me suis pas vraiment rendu compte sur le moment. Moi, je voulais attendre, en fait, de pouvoir revoir les ralentis et compagnie. J'ai pu le faire que tout à l'heure. Et ouais, en fait, ça fait mal au cœur, en fait. Mais c'est le football. Voilà, malheureusement, c'est le football, c'est comme ça. Mohamed. Ouais, très très juste ce que tu dis, Vanessa. Et je pense que ça a été d'autant plus intense pour toi quand on sait la portée symbolique de ce voyage en Algérie, ce retour aux racines, le fait de retrouver ta tante. On a vécu ça à travers tes réseaux sociaux. Donc, tu as dû vivre 3-4 jours qui étaient tellement puissants que émotionnellement, tu dois en sortir éreinté au-dessus du match, hein, je parle. Bah, c'est très très juste ce que tu dis. Émotionnellement, je suis rentrée. Là, je suis fatiguée en fait.
J'ai pleuré pendant 3 jours en fait. J'ai fait que pleurer et je suis quelqu'un plutôt. Je suis pudique, mais voilà, c'est des trucs que j'arrive pas à retenir et j'ai pleuré pendant 3 jours. Et surtout l'accueil qui a été assez incroyable en fait. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus triste en fait. C'est que ce que je ressens, c'est qu'en fait, les Algériens, ils ont besoin d'espoir en fait. Ils ont besoin d'être fiers. À cause de la charge en fait de l'histoire, c'est important de montrer que voilà, c'est une nation qui rayonne. Et tout ça en fait, ça passe par le football, ça passe par cette équipe nationale. Et le poids politique en fait de cette équipe nationale vraiment dépasse tout ce que j'ai pu voir en fait dans n'importe quel pays. Et quand tu vois, tu arrives de France avec ta mentalité d'européenne et que tu te rends compte de ça, ça fait aussi un peu un choc émotionnel. C'est que c'est pas du football en fait, c'est une religion. Donc moi je comprends, hein, tu vois la pétition et tout derrière le hashtag, je le comprends parce que j'ai vu à quel point en fait chaque personne, homme, femme, enfant, avait besoin en fait de cette qualification, avait besoin de ça en fait pour légitimer juste le fait que c'est une grande nation. Mais moi ce que j'ai envie de dire en fait ce soir, c'est qu'il n'y a pas besoin du football pour ça. Il n'y a pas besoin du football pour ça. La preuve, en fait, tu vois, d'une personne comme moi, je m'appelle Vanessa Lemoine, j'ai un besoin, en fait, qui est assez inexplicable, mais de revenir. Moi, je fais partie de ce qu'ils appellent, eux, aujourd'hui, c'est plus des immigrés, c'est la diaspora. C'est qu'en fait, je suis juste une enfant de l'Algérie, mais dans un autre pays. Et donc, je comprends, en fait, je comprends le traumatisme, c'est vraiment le mot, je le comprends, ce traumatisme, parce que c'en est un. Mais sincèrement, sincèrement, les Algériens, ils n'ont pas besoin que du football pour pouvoir rayonner. Ils ont plein d'autres choses. Il y a les compétences, il y a l'intelligence, il y a une forme de bienveillance, d'empathie, de courage aussi, beaucoup, qui caractérise cette nation. Et voilà, je me dis aussi que ce qui te tue pas te rend plus fort. Et ça va faire partie de l'histoire de cette équipe nationale. Et je pense qu'elle peut permettre aussi d'apprendre à faire du lobbying déjà, parce que même si l'honnêteté c'est important, le lobbying aussi ça l'est. Et puis de retrouver cette forme de force, de ce côté un peu guerrier, le NIF comme on dit, tu vois. Je pense que ça c'est important. Jamel Belmadi il avait dit un truc qui m'a beaucoup marqué, qu'il a répété beaucoup de fois. J'aime bien écouter les confs avant. Il parlait de la récupération. Et en fait, quand il a dit ça, ça m'a alerté parce que au-delà des talents individuels, l'Algérie, elle est basée surtout sur cette force, sur ce supplément d'âme, ce facteur X, qui fait qu'en fait, à des moments assez improbables, ce fameux je la sens, comme disaient Mahrez et Belaïli, voilà, elle va faire des trucs incroyables. Et quand il a parlé de récupération, je me suis dit, waouh, ça se trouve, ils vont être à court de jus, alors que le petit jus, justement, c'est ce qui va permettre de faire que voilà, ça va passer au-delà de tout, d'un arbitrage qui va pas être en faveur de l'Algérie, de tout ce que tu veux. Mais Mais quand tu as les justement, occasions, Vanessa, en fait, il faut mettre des buts, quoi. je me permets de te couper sur un point précis, c'est ce supplément d'âme dont tu parles. Après, je ne pense pas que le football soit une religion pour les Algériens, mais c'est effectivement quelque chose de fort pour eux. Ah, moi, je te le dis, c'est quasi une religion, Marwan. Pour vivre sur. Après, moi, Après, je je m'éloigne de comprends ça, qu'ils mais disent que c'est pas une ouais, religion. Je c'est une comprends aussi. expression, de toute façon, C'est une parler. expression Non, mais. et je comprends ça. Effectivement, C'est un peu le intéressant, mot, c'est pas Vanessa. pour dire que c'est une Justement. religion. On respecte la Ouais. religion, mais Exactement, t'inquiète, mais t'inquiète. bien sûr, C'est pour faire mais la justement, en métaphore. fait, tu soulèves un point intéressant. C'est justement l'intrication qu'il y a entre le sport et l'identité nationale algérienne. Et on le voit aujourd'hui, après que Charafeddine Amara démissionne, on nomme Maouche, qui est une figure de l'Algérie, de la lutte pour l'indépendance, ex-membre de l'équipe révolutionnaire du FLN. Et là où c'est intéressant et où finalement c'est important de souligner ça, c'est que il y a peut-être aujourd'hui un besoin de retourner à des choses qui font consensus. Les sujets qui sont liés au FLN à la Révolution nationale sont importants. Et de l'autre côté, moi je trouve que tu as parlé de ce supplément d'âme dans des moments clés. Vanessa? Oui. Alors, donc du coup, moi, je suis complètement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je pense que Rigobert Song, sur le match retour, il a gagné la bataille tactique, ça c'est certain. Peut-être une petite pression aussi. Il a été fort en conférence de presse de dire que l'Algérie n'avait pas joué le jeu.
Donc, ils ont voulu tout faire sans le faire à la fois. Moi, avant le match, je pensais que Jamel Belmadi, en fait, allait tout simplement profiter de son animation offensive parce qu'on sait que ça bouge hein, durant un match et qu'il y a des possibilités. Ils sont capables de jouer à trois derrière. Donc, voilà, il avait des certitudes malgré tout. Et peut-être petit joueur sur ce coup-là, mais ça se comprend. Il est à Blida à domicile. Donc, l'envie aussi de sécuriser et il a peut-être pas joué le coup à fond. Moi, maintenant, je me dis, bon, alors on se tourne vers l'avenir, c'est l'important. Je vais venir avec mon œil d'Européenne et j'ai du mal à le faire, tu vois, parce que j'aime pas en fait faire ça. Mais très sincèrement, le problème, c'est la structuration. Je pense que le Amara, quand il est arrivé à la Fédé, il est venu. Parce qu'il est venu dans un rôle pour structurer des choses qu'il y avait à structurer. Aujourd'hui, il y a un manque de structuration, clairement. Tout le monde a son avis à donner. Le gars, il gérait pour donner des places. Ce n'est pas le rôle d'un président de la fédération. Voilà, il y a des choses à construire, à faire. Et je pense que ça, c'est important. Juste pour revenir aussi sur Maouche, en fait, moi, pour moi, il ne faut pas gommer le passé, il faut l'utiliser. Il y a une ADN qui est inscrite en chacun de nous aujourd'hui. Et cet ADN fait qu'aujourd'hui, on est ce qu'on est. Cette équipe nationale est ce qu'elle est. Et il faut se servir de ça. Aujourd'hui, il est là comme président intérimaire. Il est là pour faire preuve de stabilité, en fait, je pense, dans un entre-deux. La suite, en revanche, effectivement, elle doit être tournée vers l'avenir. Et c'est à ça qu'il faut penser pour structurer. Il y a Antar qui avait proposé à l'époque un dossier. Je pense que c'est important de savoir écouter aussi ceux qui ont participé à la grande histoire de cette équipe. Et aujourd'hui, c'est peut-être vers ça qu'il faut se tourner. Voilà. Pour apporter l'expérience, le respect, dont vous parliez tout à l'heure, avoir quelqu'un qui a de l'influence, peut-être qui connaît les rouages. J'entendais tout à l'heure parler de vices positifs sur le terrain. Il faut aussi faire du vice positif en coulisses. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut surtout, avant tout, arrêter de faire de la politique. Ça, c'est très, très important, en fait. Parce qu'à force en fait de se soucier de ce qui va être dit derrière, notamment sur Twitter et compagnie, bah, en fait c'est petit joueur. Et là, sincèrement, hein, et je le dis en plus, j'ai envie de le dire en toute humilité parce que j'ai pas envie de venir avec mon œil d'européenne, de française, nana qui s'appelle Vanessa Lemoine, qui propose Juste, une solution en l'espace de 3 jours, c'est assez incroyable. Vanessa, ne dis pas européenne, tu es algérienne, tu es fière de Oui, tes origines, tu bien sûr. revendiques Non, et mais ça, il n'y c'est a pas de certain. complexe et on Non, appartient tous à. c'est. Juste pour, voilà, pour te le dire, on appartient tous à cette belle nation T'es et gentil. peu importe d'où on vient, on apporte Non, son œil, on apporte mais je dis. son envie de changer les choses. Mais je Non, comprends mais tout je à fait, dis mais ça c'est juste parce que je connais parenthèse. la Fédération française de football en fait de l'intérieur, donc je sais comment ça fonctionne, je sais comment ça se passe. L'équipe de France, elle a aussi vécu des gros revers et en fait, elle s'est servie de ce qu'elle a vécu par le passé pour se structurer. Et en fait, si la base elle est pas solide, ça fonctionnera pas en fait. Le souci c'est que tu as une équipe qui, je ne sais pas comment, sincèrement, en ayant vu comment ça se passe, a réussi à rayonner à l'international, à remporter la CAN, s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Mais en fait, c'était trop limite pour ce qu'il y avait derrière. Il n'y a pas de structuration. Et en fait, il y a tout à faire. Amara, il est venu pour ça, en fait. Il est venu pour structurer parce que c'est un businessman, c'est un manager. Donc, il faut derrière qu'en fait, il y ait des cases et que chacun joue son rôle. Mais c'est tellement politique, en fait, cette équipe. Elle est tellement importante. C'est limite, en fait, c'est l'État, quoi. L'équipe nationale, c'est l'État. Je me suis rendu compte vraiment de ça.